Et on vous promet donc de reporter ça, on va l'organiser très prochainement, Charles. Et on a profité donc d'organiser le staff des pneumons, donc on va voir ensemble des dossiers de pneumologie. Bien sûr, ma Faisalo, madame Chabel, madame Yusra, madame Saad ou madame Sen. Merci. Marha, vie, comment on peut. Merci. Je suis chef d'Assi Faisalo, la. Madame, ça je compte dans le sein, mais je compte dans le dossier. On est au DAN. Oui, c'est vrai. Madame, traitement, donc la patiente a été transférée
service. Bon, devant la citoyenne, on a arrêté initialement de pélasinamide, bon, pour 2-3 jours. Et après, l'évolution du bilan hépatique, c'était marqué par une augmentation des azates, des alates, augmentation modérée, mais surtout l'apparition d'une éruption cutanée, d'où l'arrêt du traitement tuberculeux AG16 du traitement. Donc, entre-temps, la patiente a présenté une insuffisance cérébrale parce qu'il a arrêté son traitement d'hypothyroïde. Donc, il a fait des hypoglycémies, une hypotension. Et durant toute l'évolution, la patiente persiste de lui pendant 2 ans jusqu'à maintenant. Bon, on a pensé que c'était peut-être l'insuffisance cérébrale qui était. En rapport avec la fièvre et tout, les aliments, bon, l'état général de Guerla. Mais actuellement, après la corticothérapie, sa hydrocortisone, donc il persiste fébrile. Pour le bilan hépatique, donc c'est l'apparition de l'étudine cholestase beaucoup plus que les cytolyses. Parce que les azates, diminuent progressivement de 223, 171, 216. Après, le dernier bilan du 6 mai, il est à 68 et les alates à 77. Mais les gamma-GT augmentent à 1163 à 1014. Avec le bilan conjugué qui est augmenté à 93, 63, 64, 351. Donc là, pour cette patiente, elle pose le problème de traitement du tuberculeux. La cytolyse hépatique, les toxicités hépatiques et l'éruption cutanée. On a repris le traitement de tuberculeux par le comprimé d'INH à dose progressive. On a commencé par un comprimé d'INH et deux comprimés. Tellement de comprimés. Bon, c'était bien toléré l'INH. L'éruption cutanée s'est disparue après l'arrêt du traitement. Et reste le problème de la fièvre qu'il a, donc il persiste la fièvre quand même. Donc, c'est surtout les voies qui sont après. Donc, on a contrôlé la traite du thorax, donc il n'y a pas réussi à prendre le franchement thorax. On pense que c'est pas ça raté parce qu'il y a des questions qu'on fait qui se passent parce que je me regarde, donc on a repris la raté, je pense que c'est pas ça raté. Attends, la fibre est tardière, mais pas la même. Pas la même. Bien que c'est une bien produit de franchement. L'éruption qu'elle a présentée,
n'est pas la dermatite, c'est vraiment une infection d'origine allergique, le multicaire, on y voit. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté la colchicine qu'on n'a pas repris la dermatite. La dermatite avec la caries qu'elle suit. Donc, pour elle, ça ne fait pas de localisation. C'est pas de la dermatite. Et à l'arrêt du traitement, il y a disparition. Donc, c'est une toxidermie, donc. Allergie. Donc, au traitement antibiotique, on pense à la hépatite et les effets secondaires à l'allergie. Et la colostase. Et la colostase. Ça va avec la hépatite. D'autre part, la dermatomyosite, on peut avoir un syndrome interstitiel associé à la dermatomyosite. Dans le cas de la fibrose, mais ce n'est pas de la fibrose. Ce n'est pas de la fibrose, c'est pas de la fibrose. Le syndrome des antisynthétases. Donc, dermatomyosite plus syndrome interstitiel, localisation de la dermatomyosite. Mais ce n'est pas ça, c'est ça a l'air d'être. Non, si, c'est pour les diagnostics. Les gars, micro-nodules, c'est fièvre. Ça peut être une incision hépatocellulaire, parce qu'elle est apparue comme ça, sans pas de côté, sans douleur. Mais à mon avis, il faut garder au moins deux antitubercules, vous pouvez donner aussi d'autres selles, deux états, parce que le corticoïde plus fièvre, on n'est pas tranquille si on n'a pas une couverture au moins de drogue non hépatotoxique. Donc vous êtes sur corticoïde et les fébriles. Oui, Au niveau du foie, il y a la capsule. Donc comment on peut expliquer maintenant ce passage de liquide du foie vers maintenant le pipi? Donc le syndrome de polymyosite à reconsidérer dans le cadre de paralyoplasie. C'est ça, c'est pas histoire. Il faut se méfier. Ça se résolve comme une miliaire. Avec des problèmes de l'antenne centrale. Mais vu qu'elle ne s'améliore pas, il faut toujours avoir la hantise d'un concept, de l'antenne. Et sur le plan respiratoire, elle n'est pas du tout disminuée. C'est contre la milliard. C'est la milliard. Je pense qu'il y a quand même une amélioration avec le chiffre. C'est pas la même pénétrance.
Mais en très peu de temps quand même. Elle n'a pas eu suffisamment de temps pour prendre des antituberculeux en fait. Est-ce que c'est suffisant pour améliorer une bilière? De chercher des cellules nucléosiques aussi, non? Même pour le scanner, c'est vrai que ça a demandé, on peut le faire en privé aussi. Il y a le scanner de Steve Randall qui est un multivalent. Ah, déjà. Oui. C'est pour infirmer. Tout à fait. Ça ne va pas confirmer la milière tuberculeuse, mais ça va chercher dans le diagnostic différentiel. Exactement. Il était fait depuis le 38-5
l'état général cardiomyopathie, une pension à 8,5, une saturation normale à 98%, l'hospitalisation, il y avait une diminution des murmures vésiculaires à droite. Donc sinon, le reste de l'examen est sans particularité. Et à la radiographie thoracique, donc vous voyez bien cet aspect d'opacité, vraiment presque la moitié du champ pulmonaire gauche. Donc au début, on a reconnu le diagnostic de myopathie infectieuse, vu le tableau aigu, la fièvre, le bilan biologique fait des pertes de précipitose après 1500, la VS à 97. Donc il a été mis sous augmentant, donc on a associé l'augmentant et le prostate. Bien sûr, insuline selon GAD, son traitement hyperpenseur. Alors l'évolution donc, a été faite sur le plan clinique par une amélioration clinique, surtout de la fièvre, donc une apérexie stable. Bon, sinon, sur le plan radiologique. Sont 10 jours sous traitement antibiotique à base d'augmentant en procès. Bien que cliniquement, il est un peu mieux, donc je vous ai dit que l'apéritif, mais quand même, dans la version, vous voyez que. Oui, on peut même parler de ce qu'on fait. Donc, on a demandé un scanner thoracique, le patient pathologique, c'est pour 3 ans. Donc, on a un indice d'un cancer bronchique. Pourquoi l'association amoxicilline au flocet? Pour élargir le maximum, ça agit sur le plus en plus les anaérobies sont déjà couverts par le monde, alors ça couvre tous les Troisième radio,
Thank you.
Du sang est là haute, on est là-bas, et ici elle n'est pas régulière. Hein.
la parole à des mots, pédicales. Le nombre de milliers, c'est un paramètre épidémiologique sur la prévalence de la tuberculose et de la tuberculose bacillifère. Plein de milliers, c'est un indice de mauvais contrôle de la maladie. Il y a beaucoup de plombes là. Donc, c'est toujours donc, le stade de diagnostic de la tuberculose, c'est Saïd, tout productif et non utilisé, les sédiments, les signes positifs, devenu une loi le 31-3-2014 avec 7 radios. Donc, il y a un infiltrage latéral, puis prononcé à droite avec une rétraction de la trachée et des modules bibasaux. Donc, il a été hospitalisé sur le terrain, le bilan négatif. Il est venu voir la 31-3. Donc, si on voit, donc, le 23-7-13, il a été hospitalisé à Montréal. Donc, on lui a fait un contrôle, le 38. Donc, si vous voyez la radio, entre le 23 et le 30, il n'y a pas grande modification. Par contre, donc, le 31-3, il y a une modification. Je pense que cet aspect-là, c'est une majoration. Donc, c'est l'évolution spontanée du mouvement de la tuberculose. Majoration. Comme la moche, on peut le bacilloscopier tout le génome. Comme le ministère, le bacilloscopiste, il sait que le génome, mais il y a aucun résultat. Les cas de tatoïde sont tout le temps négatifs. Et les nerfs, tout le temps négatifs. Béni, béni, pardon. Il y a tout le passé. Béni, 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 حما وقت انا غادي وقت انا في السبيطار الباسيلوسكوب موجود جافي اون بوزيتيفيتي هذاك الوقت تاع 17 اون بو سوغنيزي انا وقت المرحوم سي جنايح موجود قال لي جوست الديريكتور ريجيونال يعطيهم كونجي يعطيهم كونجي دو جور مع البيون يجي من الريال قال لي نبيتوهم غادي يعملوا ستاج فهمت 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 Donc voilà les cas positifs. Donc, vous avez vu l'évolution spontanée sans traitement de tuberculose. C'est pour ça que l'idée de. Il faut toujours mettre les radios devant les radios, d'accord ? Parce qu'on va. C'est modifié, je ne le lâche pas. Hein. Ben, le CMA, le 36 ans, ensuite le 27 juin 2014, pour tout Disney, avec cette image qui varie, on se teste dans la vie. Le 24-3, le 29-3, donc un épanchement qui s'est bilatéralisé très rapidement, avec une forte affaire de la tuberculose, très disponible. Et ça a été fonctionné. Non, non, elle a été.
عمل أجابة مع جاني جاني تأخذ بنا صورة أجاب جاني سكانر تراسيك Il y a quelques nodules qui menacent de l'aube supérieure, donc un semble être escalé au niveau de l'aube supérieure droit, ou quelques micro-nodules qui menacent de l'intérieur, comme à l'aspect en arbre de bourgeon, des micro-nodules autour des hanches, et je vois une dissémination bronchogénique d'une tuberculose, des rencontres bilatérales de faible abondance. Le nodule avec la gauche, combien de temps ? Tu veux aller là-bas, l'escalé. 60 l'extérieur, peut-être que vous suivez pas. Tout ce qui est là, vous avez dit, 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 la dissémination bronchogénique, c'est d'origine infectieuse. Les nodules, ça peut être métastasique, ça peut être. Donc, puis la progression crânio-caudale, ça va aussi la progression crânio-caudale. Là, en haut, ça va en bas, ça va avec le corps. Je n'ai pas dit que c'est une fibre. Il y a l'épanchement des adénopathies médiastinales et il y a un disque vertébral des 8-19. J'ai dit qu'il y a une partie pas vue, mais j'ai photocopié des radios. Donc, ça, c'est le compte rendu de gradologue. Il n'a pas mal dans la vertèbre. Il m'a signalé qu'il y a un problème géodique au niveau de la prise de vertèbre. Le bilan, tout est négatif, HIV, gastro, tout. J'ai fait une fibro, j'ai tenté de une fibro, il s'est asphyxié. Il avait un choc, PO2-C29, PO2-C32. La fibro, aspect inflammatoire, je n'ai pas pu faire plus. Les crachats négatifs, bilan complet, gastro, j'ai demandé ce qu'il a. Est-ce qu'il y a un point d'appel de source, est-ce qu'il y a une conquête ou pas? Donc, il me parle qu'il y a un ganglion iliaire, le foie, l'échographie est magnifique, c'est pour ça qu'il y a des grands vaisseaux. Donc, j'ai demandé des vétalos qui montrent un aspect, donc D8-D9, qui est un peu feuilleté, et il y a une géote de ce plateau. À haute calotte, quand l'orthopédiste chinois chauffe scanner sur la console, il chauffe la tête de l'oeil, il a dit que c'est une spondylodiscite. Donc, spondylodiscite, cette image radiologique, le l'état général du projet géographique, je l'ai mis sous traitement du tuberculose. Aujourd'hui, il a Z35 kg, comme celui de l'autre. Un mois après. Je n'ai pas pu photographier la radiologie. Donc, 36 ans, qui présente pneumopathie interstitielle du proximum associée à des anomégalies intestinales, des épanchements de l'eau bilatéraux, adénopathie hépatique, spondylodiscite. La maman, je peux le dire. C'est pas bizarre. Une ponction, il y a un malaise. C'est pas plus. Maintenant, la rentabilité, le risque, c'est pas. Elle a pris la petite Inès, la petite Inès, 89 de 87 de saturation. Très discrète. Pas de néopathie, donc une dame. Donc elle a une maladie récente, malade à l'histoire, un souvenir d'une pneumopathie avec hémoptysie 15 ans auparavant. Bon, le scanner, donc, on a déjà
la trachée, elle est obstruée. Hein. Donc on a la trachée déjà obstruée, la branche souche gauche obstruée, et lorsqu'on ne descend pas, on a un manchon tumoral qui englobe la lobe inférieure gauche. Rétrécissement de l'extrémité inférieure de la trachée par formation. Ronde faisant saillir de la lumière. Ronde hélice. Origine de la branche souche, rétrécie, muqueuse inférieure. Aussi, c'est le carcinome adénoïde cystique. Le balcon s'appelle cylindron. C'est maladie rare. Elle est proximale. On a un souci. Il y a déjà pour la thorax. Et pas de thorax. Mais l'abdomen, c'est une maladie lente. Là, trop loin d'un homme, vous 15 ans auparavant. Ça évolue déjà. Et voilà, donc il ne faut pas le lâcher. Voilà, c'est une maladie lente. Il faut pas aller sur sûrement les médecins n'ont pas inquiété par la radio. On a de l'aider. On sait là. Le carcinome adénoïdistique ou cylindron sont des tumeurs malignes de représentent 1% des cancers des voies respiratoires. Les carcinomes adénoïdistiques sont des lésions croissantes lentes, découvertes souvent tardives, donc quelques minutes tardives. La symptomatologie clinique est l'enfant bien toléré. Le traitement optimal est la chirurgie. La radiothérapie est indiquée quand la résection est incomplète ou impossible. Ou après les cylindrons. La chirurgie endoprochique peut être utilisée pour augmenter la dose totale de l'adhésion et améliorer le taux de contrôle local. La chimiothérapie est indiquée en cas de métastase. Bon, à peu près, à peine une heure, c'est pas ma photo. J'ai mieux à peu près la moitié de ça, d'accord. Au niveau de la trachée. Et au niveau de la lobaire inférieure gauche, c'est parce que là, il est de ce côté-là. Mais ce qui est caractéristique, ce sont des tumeurs lisses, proximales et proximales. Donc, elle est une étude amélative aussi. Donc, voilà les aspects endoscopiques pour les tumorologues. Ou la location. Là, j'ai pas vu ça. Moi, c'est pas ça. C'est pas, par exemple, la rouge cerise de la carcinouille. C'est pas la rouge cerise de la carcinouille. On a cet aspect au niveau de la face latérale de la trachée. Dès qu'elle s'en a fait, j'ai traité plein de morceaux. La fibrose, elle était difficile, hein, parce que la branche, elle est tracée à sa guerre, au bâtard, au histochimie. Donc, il respire avec. Non, j'avais pas tout ça, mais supposez qu'on enlevait un peu ici, il saigne un peu, ça se fout ça et ça se fixe. Hein. On a eu un cas à l'hôpital Valentino, qui ça c'est pas normal, d'accord. On a dit que c'était la coupole, mais elle peut rétracer de toute façon. S'il a vomi du sang, c'est pas normal. S'il n'a pas vomi, peut-être on peut la sauver. Mais, ce malade, c'est un asthmatique. Il est négatif. Il a fait 3 admissions aux urgences, mais sous sérétique. Alors, il a 19,5, Kadhafi, Thomas, comme tu as dit, 19,5. Il a cette image-là. Donc c'est la radio que j'ai, d'accord. Il est revu, donc 5 mois. Et c'est un malheureux point de vue asthmatique, mais on a l'impression qu'il est un peu plus visible, cette image linéaire. Donc, c'est normal que maintenant il y a devant cette image, il dirait que sur mon dos, je sais qu'il est. Mais, donc le 28-10-2013, quelques mois après, quand même, il a une frange d'épaississement de cette image. Voilà cette image-là. L'opacité semble avoir augmenté de taille et se localiser au niveau du lobe. C'est quand même la médecine précise. Alors, donc, le 15-4, il y a une frange, la future promesse de la belle, ça a changé de déjà. On dit, mais il faut voir sauver la vie. Il faut faire un chauvinat. Donc, on est le 19-5, Spomaille, le 38. Au moins. Donc, 2 mois pour monter. Et maintenant,
Peut-être qu'il n'a pas fait d'hémoptysie avec les autres confrères, ils ne se sont pas excités. Donc, c'est une tumeur, hein, d'accord. Tumeur du tronc intermédiaire, du processus de transition vers l'obstruction de l'ordre intérieur, pour qu'il m'a répondu sur l'adélectrie avec la démographie à son contact. Ah, what happened? De quoi ça vient? Pardon. Est-ce que la lymphocyte carcinomateuse peut précéder et l'évaluation du cancer? Il est en train de préparer et de se discuter, mais je pense que c'est un cas où une lymphocyte imaginaire est précédée plusieurs mois l'apparition de la tumeur. C'est ça l'imaginaire qui a changé. À mon avis, ça ne peut être que ça. Est-ce que vous avez d'autres idées? Hein? C'est l'autre moyen. C'est l'autre moyen. Large. De toute façon. Je ne dis rien, je n'ai pas une explication. Cette image-là, hein, contenant cette image-là, allez, cette image-là, elle suit quel trajet? Quel trajet peut suivre? Soit de la terre, soit une branche. Qu'est-ce que ça peut suivre? Pierre. Pas une terre. Même la terre, c'est l'air produit. Qu'est-ce que. Alors, je suis comme vous. Hein? Comme. Est-ce que, a posteriori, quand on a devant cette image-là, on la laisse ou bien on s'excite? Cette image. En fonction de la clinique. Et même un embolie pulmonaire, on ne peut pas avoir cette image qui persiste de même. Elle ne bouge pas, il n'y a pas d'étouffement, il n'y a pas de fractus, il n'y a pas de. Pas encore rien. Ouais, d'accord, on prend. Non, la première radio. La première radio, c'est. C'est la première fois. Et elle a fait un contrôle d'Atlantique, elle a trouvé cette image-là. Mois de mai, il y a une image en banque. Elle a fait un génie d'air, sauf que sur la nerf, je ne suis pas. Comme je le souviens, il a toujours aidé en 5 mois, mais il n'a pas trop bougé, je le souviens. Là, je t'avais l'observé. Tabagique ou non? Tabagique. Tabagique, je fais. Avec hémoptysie. Pour tout le monde, le bas.
Ascension de la coupole. Ascension de la coupole. Juguation de la destinée de la Juguation de la destinée de la Juguation. C'est pas de face. Rien de face stricte. Donc, Harry sur anormal. Et l'ascension de la clarité de justice. C'est ça. Donc là on a l'ascension, vous voyez la coupole. C'est pas dans cette dernière que c'est très facile, tout le monde le sait. On a un barrage avec un arrêt. Je vais jouer le machin. Mais il y a des potes qui font. Voilà, première pote, deuxième, troisième, c'est comme sur un aigle de mon vieux. Donc, on a une déficience de la coupole, donc il y a un problème de la musculature de la coupole. On a donc des côtes qui manquent, et si vous regardez bien, il y a un autre à la troisième anomalie. Regardez le dessus, donc la manette à gauche. Donc, du côté où on monte les côtes, la musculature semble amincie. Donc, c'est ce que vous allez chercher. Donc, si on regarde, avant de demander, donc, il faut examiner la malade. La malade a une paralysie du membre inférieur, elle a une agénésie des muscles deltoïdes. Et vous voyez, tous les mi-thorax, il est atrophié. Tout ça, c'est atrophié par rapport à ça. Donc, c'est une dame qui a une agénésie de la coupole des sacrantiers. Déhiscence d'accord de la canadie, une faiblesse musculaire, et une, donc il a une agénésie, quelques muscles qui manquent. Et la paroi, elle n'est pas, elle est hypotrophique, c'est normal qu'on a une déhiscence de la coupole, une faiblesse de la coupole de la canadie. Donc c'est le syndrome de Poulan, quand on regarde en fait le corps général, l'absence de l'unité latérale du grand pectoral intéressant le plus souvent. Sa portion, c'est donc ça, associée à des anomalies homo-latérales latéral de la main, le plus souvent, c'est de la main. Il y a des anomalies variables des seins médicaments avec une configuration variable de la main ou de l'avant-bras. Certains patients ayant une main normale, par contre, ils ont l'absence de l'épaule et c'est à qui, hein? Hein? C'est à qui? La congénitale. Disney des portes. C'est un non pathologique, donc vous voyez quand même distendu. Elle est là, on a un peu de sable, sur le tonneau d'arbre, sur les coupoles de coupole d'origine de vieille fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, distendu, juste pour l'image iconographique. Donc vous voyez qu'il a le genou laxité, son thorax est un peu distendu. Donc là, des l'échographie, on a une ectasie de la haute. Non, le truc est l'épaule, donc c'est un endo-lunar. Et l'axe à droite, l'axe à droite, c'est pas l'insuffisance respiratoire, c'est parce que le corps vu l'anatomie. Donc, ça avait une idée, donc c'est le syndrome de Malfons. Voilà, merci. Merci.